les petits, à l'exercice. Mon sabre que je vous montre. Jamais d'armes assez solides. Comment voulez-vous que je vous apprenne quelque chose? C'est vraiment décourageant. Si votre majesté désire une arme digne d'elle, ce n'est pas difficile. Mais il y a une chose. Pouvez-vous aller sous la mer? Comment? Sous la mer? Mais dans le ciel, sous la terre, partout? Alors c'est facile. En passant sous la cascade, on aboutit au palais du roi dragon des mers orientales. Vous y trouverez sûrement une arme à votre goût. Si c'est comme ça, je n'ai plus à m'en faire. Attendez-moi, mes petits. Ça ne sera pas long. J'y vais et hop, je reviens. Ce que viens-tu faire ici? Salut mes généraux, je viens voir votre roi. Allez vite m'annoncer. Mais du calme mon général, mais attention! Hop, conduis-moi en vitesse, sinon je te mets le nez en compote. J'y vais. Mon cher voisin, bonjour. Qu'est-ce qui vous amène? Moi, le singe à la montagne des fleurs et des fruits. Je ne trouve pas d'arme à ma convenance. Aussi, je viens vous en emprunter une. Ah bon? Ce n'est que cela. Général Crevette, on lui apporte une pique. Voyons voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous appelez ça une arme? Importez donc cette guisarme qui pèse 3600 livres. Léger, c'est trop léger. Ah! Ah bon, on est même plus lourd, mais un peu trop, je le crains. Allez donc chercher la hallebarde de 7600 livres pour qu'il l'essaye. Oh,
Non, c'est encore trop léger. Mais donnez-moi donc le lourd. Oh, quelle force, quelle force. Je vous ai tout montré. Non, non, je n'ai rien de plus lourd. Oh, comment? Dans votre vaste océan oriental, on ne trouverait pas une arme convenable? Qui remonte au déluge. C'est la règle magique que le roi U utilisa pour dompter les eaux. Si vous êtes capable de la bouger, je vous la donne. C'est dommage que ce soit si gros. Faudrait que ça se rétrécisse. Encore, encore. Bâton magique, poids 36 000 livres. Ré-ré-si! Cher ami, mille remerciements. Mais c'est ma règle pour calmer la mer. Mais vous ne pouvez pas me la prendre. Vous avez dit, si vous la soulevez, je vous la donne. Alors, on tient pas sa parole. Tu me voles ma règle. J'irai demander justice à l'empereur de Jade. Majesté, un singe démoniaque, grossier et brutal, a fait du scandale dans mon palais. Il a emporté ma règle à calmer la mer. C'est un puissant magicien. Si on ne l'élimine pas, mon palais ne sera jamais en paix. Faites-moi justice, Majesté. Mais d'où sort ce singe pour être si arrogant? Oh, ce singe est très fort, Majesté. Parvenu à la révélation magique il y a 500 ans, il dompte tigres et dragons, bouscule mers et montagnes. Majesté, pesez bien les choses. Oh, puisqu'il en est ainsi, quel général céleste va le soumettre? Si votre majesté permet... À mon humble avis, il serait préférable de l'appeler à la cour. Sans risquer un seul soldat, amenons-le ici en douceur. Comme cela, nous pourrons le tenir à l'œil. S'il se rend impossible, alors on le coffre. Mmh. Mmh.
écartez-vous. Transforme-toi. Allez, hop. Majesté, il y a un vieux qui arrive du ciel. Elle est à sa rencontre. Oui, j'y vais, j'y vais. Je viens du ciel pour voir votre roi. Sans ordre du roi, on ne passe pas. Hé, attendez, attendez, attendez! Que ramène le vieux, ordre du roi! Enfin raisonnable. Je suis le grand conseiller de la cour céleste. Je viens vous annoncer que l'empereur de Jade vous invite au ciel. Au ciel? Mais pourquoi faire? Mais pour être mandarin. Mandarin? Mais à quoi ça rime? Le ciel, c'est la résidence des immortels. Aucune comparaison avec votre montagne des fleurs et des fruits. Tout resplendit d'or et de jade. Le sol est jonché de fleurs merveilleuses. Les étoiles forment une rivière qu'enjambe l'arc-en-ciel. Ne serait-il pas dommage que vous n'alliez pas voir ça? C'est bon, j'y fais un tour avec toi. Grand roi, nous voulons y aller aussi. Ah oui, pourquoi pas? Mais laissez-moi y aller voir d'abord, hein? Exercez-vous en attendant. Si c'est vraiment bien, je vous y emmènerai. C'est ça, restez à vous exercer. On vous emmènera la prochaine fois. Mais, où est votre roi? Notre grand roi a déjà fait 10 000 lieues. Qu'est-ce que tu attends? Attendez-moi! Où allez-vous? Je suis invité par l'empereur de Jade. Avez-vous un papier? Mais c'est bien l'empereur qui m'a invité. Alors pourquoi brandissent-ils leurs armes? Hein? Allez, écartez-vous. Ne me mettez pas en colère, hein. Sans ça, hop! Arrêtez! Arrêtez! Ne vous battez pas. Arrêtez! Hé, hey, toi, l'ancêtre, pourquoi m'as-tu trompé? Hein? Pourquoi ne me laisse-t-il pas entrer? C'est la première fois que vous venez. Ils ne vous connaissent pas. Écartez-vous vite. C'est un immortel d'en bas. Ordre de l'empereur de Jade de le laisser passer. Je vous en prie. Attendez un instant, je vais vous annoncer. Majesté, le roi des singes, Sun Wukong, est là. On l'introduise. Qu'on l'introduise. Qu'on l'introduise. Qu'on l'introduise.
est-il, ce singe? Mais où est-il passé? Ah, ça, mais où est-il passé? Où est-il? Tu me mets par hasard. Ce démon est ici! Allez vite faire la révérence. Hein? Allons vite, vite! Mais où est-il l'ampoule de jade? Tout en haut. À genoux! Oh, majesté, ce roi des singes est un immortel d'en bas. Il ne connaît pas les règles de la cour. Veuillez lui pardonner. Bon, qu'on le dispense. Intendant-chef, regardez où il pourrait y avoir un poste vacant. À vos ordres, majesté. Donnez-lui un petit poste de rien du tout, oui. Majesté, il y a un poste vacant aux grandes écuries. Je vous nomme palefrenier chef aux grandes écuries. Allez. Allons, qu'attendez-vous pour remercier? Palefrenier chef? Oh, mais les grandes écuries célestes comptent 1000 magnifiques chevaux qui vous sont tous confiés. Là-bas, vous serez le chef. Allez, dépêchez-vous de remercier. Allons. C'est votre uniforme. Son port est obligatoire. Félicitations, grand roi. Félicitations. Grand roi, un peu de sérieux, un peu de sérieux. Allons, allons. Imbécile. Les grandes écuries. Mais qu'est-ce que vous faites? Allons, debout. Debout, debout. Allons. Le palefrenier chef est prié d'inspecter les chevaux. Quelle idée d'attacher les chevaux comme ça. Majesté, le palefrenier chef est votre subordonné. Tenez-le à l'œil, étroite surveillance, pas de relâchement. À vos ordres, Majesté. Thank you.
depuis l'arrivée de monsieur le palefrenier chef, les chevaux célestes sont devenus robustes et dociles. C'est un grand succès. Oh, oui. Voici le grand écuyer. Que le palefrenier chef aille à sa rencontre. Grand écuyer ou grand vacher, qu'est-ce que j'en ai à faire? Le grand écuyer, le grand écuyer. Pourquoi le nouveau palefrenier chef ne vient-il pas à ma rencontre, hein? Il est en train de dresser les chevaux. Maudite bête! Qui a osé lâcher les chevaux? Mais qui êtes-vous pour faire du bruit comme ça? Singe impudent! L'empereur de Zin t'a envoyé garder les chevaux et tu oses les lâcher? Il en manque un seul et je ne donne pas cher de ta tête. Mais pour qui te prends-tu? Me faire des remontrances à moi? Je suis envoyé par l'empereur de Zin, exprès pour te surveiller, toi, le singe. Alors du calme, sois sage. Assez! Le pépé de Jade m'a invité et il m'a envoyé un surveillant. Palefrenier impudent! C'est comme ça que tu oses parler de l'empereur! Garde ligoté! Fini la comédie! Va dire à ton pépé de Jade que s'il méprise le singe lui montrera qu'on ne se paie pas sa tête! Catastrophe, Majesté, c'est épouvantable! Le palefrenier chef a blessé le grand écuyer, détruit les écuries, il est en fuite! Ah, quelle impudence! Ce singe diabolique me faire cet affront? Il n'échappera pas au châtiment. C'est que le grand écuyer s'y est mal pris. Il fait rater notre plan. Pardonnez au singe, je le cajolerai pour qu'il revienne et nous le tiendrons plus serré. Un moment, Majesté! Ce vieillard ne sait que dire pardonnez, pardonnez, pardonnez! L'impudence de ce singe diabolique est intolérable! Laissez-moi l'attraper, qu'il soit puni! Mais vous n'allez tout de même pas entraîner aussi légèrement le peuple dans une guerre! Est-ce qu'on va laisser ce singe du diable nous grimper sur la tête? Mais alors, que faire, hein? Ce maudit singe ose se rebeller contre nous. Si nous ne le punissons pas sévèrement, d'autres prendront exemple sur lui. Il n'y aura plus d'ordre dans le ciel. Oui, le prince a très bien parlé. Je m'incline, je m'incline. Majesté, 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 majesté! Le palefrenier chef a dressé un étendard au monde des fleurs et des fruits. Il se proclame grand saint égal du ciel. Ah, il ose se dire grand saint égal du ciel? Thank you.
Oui, prince. Attaque en premier! À vos ordres, prince. Hey, Minus, qu'est-ce qui t'envoie? Alors, petit macaque de rien du tout, comment vas-tu te battre contre moi? Hein? Nouveau-né gluant, braille pas si fort. Grand saint égal du ciel n'oserait pas te faire bobo. Quelle capacité as-tu donc pour te dire égal du ciel? Prends d'abord ça. Va dire à ton empereur de jade qu'il reconnaisse mon titre. Sinon, j'irai lui démolir son palais des nuages.
te réjouis pas trop vite. Je raserai ta montagne des pleurs et des pluies. Toujours à ta disposition, mon gros. Mais oserais-tu revenir, hein? Hein? Majesté, sur vos ordres, je suis allé arrêter ce singe démoniaque. Mais c'est un puissant magicien. Nedja et le géant n'ont pu en venir à bout. Il faudrait du renfort. Avec une pareille armée, vous n'avez pu venir à bout d'un singe. Et vous voulez encore du renfort. Mais ce singe est une terreur, Majesté! Je vous avais prévenu. Il peut prendre 72 formes différentes. Vous vous rendez compte? Il a encore proféré des menaces. Si vous ne reconnaissez pas le titre qu'il s'est donné, il montera, Majesté, à l'attaque de votre palais des nuages. Que votre Majesté veuille bien donner un ordre pour les renforts. Ce singe dispose de trop grands pouvoirs magiques. Il vaut mieux le prendre au mot, lui accorder un titre qui ne correspond à rien et l'héberger dans le ciel jusqu'à ce qu'il se civilise. Ça se défend. Seulement, si on le garde dans le ciel, il finira bien un jour par faire des bêtises. Pour éviter cela, une solution radicale s'impose. Majesté, surtout pas de recours aux armes. L'avantage ne compenserait pas les pertes. Mieux vaut l'héberger dans le ciel, Majesté. Ce que nous propose le grand conseiller est encore le mieux. J'envisage de lui confier la garde du verger de la reine d'Occident pour voir si ça le rendra moins sauvage. S'il refait du scandale, nous serons toujours à même de l'arrêter. Majesté, vos vues sont lumineuses. Je vais vous le ramener en douceur. Thank you.
Grand saint, grand saint. Oh, encore toi. Mais qu'est-ce qui te ramène? Un grand saint, sur l'ordre de l'empereur de Jade, je viens exprès vous inviter. Vos invitations, moi je m'en fiche. La dernière fois, le grand écuyer s'est montré impoli envers le grand saint. L'empereur de Jade l'a puni. C'est très bien, mais il aurait dû le faire plus tôt, non? L'empereur vous donne le titre de grand saint égal du ciel et vous invite. Ton empereur peut s'avouer vaincu. Au monde des fleurs et des fruits, je suis déjà grand saint égal du ciel. Alors je n'ai que faire de son invitation. Va-t'en. Va-t'en. Et cette montagne est couverte de fruits et de fleurs. Le paysage n'est somme toute pas mal. Hein? Et comment que c'est bien? Oui, c'est bien. Mais ça ne vaut pas le verger des péchés célestes. Et il s'en faut de beaucoup. Qu'est-ce que ce verger que tu oses comparer à ma montagne? Le verger de la reine d'Occident, un jardin d'immortels, comme il n'y en a pas deux au ciel. Des fruits, comme vous ne sauriez en imaginer. Celui-ci, pardonnez-moi, mais ce n'est rien en comparaison. Non, vraiment rien. Vraiment? Croyez-vous que je veuille vous tromper? Oh, par une attention spéciale, l'empereur de Jade vous confie la garde de ce verger. Un si bel endroit, grand saint. Vous n'avez pas vraiment envie d'y Attends. Aller? Laisse-moi réfléchir. C'est bon. Allons-y. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Pépé, où est donc ce jardin des péchés? Voyez ces brumes, aux reflets roses, c'est le verger, grand saint. Vous pourrez y aller autant qu'il vous plaira. Bon, alors j'y vais voir. Jardin des péchés. Je suis le génie du sol, de ce verger. T'arrives à point? Je voulais justement inspecter le verger. Par ici. Voyez tous ces péchés. Ils mettent 3000 ans pour fleurir, 3000 ans pour porter des fruits. Celui qui en mange, garde une éternelle jeunesse. Comment? Il suffit de manger une pêche pour devenir immortel?
oui, oui, c'est cela même. Elle rend immortel, grand saint. Et il y en a d'autres par ici. Oui, oui, oui. Ceux-ci mettent 6 000 ans à fleurir et portent des fruits après 6 000 autres années. En manger vous met au rang des dieux. Oh, elles sont vraiment si bénéfiques. Oh. Attends que j'y goûte pour voir. Oh, grand saint, ça n'est pas permis. Et pourquoi donc? Elles sont exclusivement réservées pour le banquet de pêche de la reine d'Occident, grand saint. Non, 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 ce n'est pas encore le moment. Mais alors quand pourra-t-on les manger? Il faut attendre le banquet. Il y aura alors des pêches de 9 000 ans. Et ce jour-là, grand saint, vous pourrez en manger. Celle-là aussi? Montrez-moi vite. Ce sont ces arbres. Pas n'importe quelle pêche. 9 000 ans. Oui, oui, oui. 9 000 ans à fleurir, 9 000 ans pour mûrir. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hein? J'irai voir moi-même. Voilà, tu peux te reposer. C'est mon devoir de vous accompagner. Ben, ça va. Hé, attendez! Ben, attendre le banquet. Je vais en manger maintenant, oui. Mesdemoiselles les fées, excusez-moi de ne pas être venue à votre rencontre. Trêve de civilité, vieillard. Allons, allons. Conduis-nous vite cueillir les pêches. Ça ne se passe plus comme autrefois. Comment cela? L'empereur de Jade a confié la garde du verger au grand saint égal du ciel. Je vous en prie, attendez-moi un moment, je vais le prévenir. Quel grand saint égal du ciel?
Qu'avons-nous à faire du grand saint? Nous venons cueillir les pêches. Il n'a pas à le savoir. Oh, mais tant pis, je préviendrai le grand saint quand il sera de retour. De pêche cette année. On dirait qu'on en a cueilli. Qui cela peut-il être? Qui oserait sinon toi? C'est toi. Venez voir, mes sœurs. Il y en a une belle ici. Là. Qui êtes-vous? Nous sommes envoyés par la reine d'Occident pour cueillir les pêches. Qui es-tu? Ah, c'est la reine qui vous envoie. Moi, je suis le grand saint égal du ciel. Pourquoi voulez-vous cueillir les pêches? Pour le banquet des immortels. Il nous faut bien des fruits. Très intéressant. Seulement, j'aimerais bien savoir qui est invité au banquet. Il y a Lao Tzu, Bouddha, les 500 moines, les princes, les généraux, les ministres. Et qui d'autre encore? Beaucoup de monde. Tous les immortels du ciel sont invités. Et même du monde d'en bas. Le roi dragon des mers orientales. Quoi? Est-ce que moi, le grand saint égal du ciel, je serais oublié? Quel grand saint égal du ciel? On n'a jamais entendu ça. Un sage jardinier qui veut être invité au festin du lac de Jade. Il rêve. Ah, c'était ça ton invitation au ciel, hein? L'empereur, tu m'as bafoué. Plusieurs fois. L'un de nous est de trop. Dépêchons-nous de nous en aller. Allons, mes sœurs, donc. Halte! Stop!
l'empereur. Tu méprises le grand saint égal du ciel. Et pourtant, j'ai la place d'honneur. Hé, l'empereur, tu bois ? À la bonne mienne. Là. Reine d'Occident, passe les pêches. L'empereur vous donne le titre de grand saint égal du ciel. Quel grand saint égal du ciel? On n'a jamais entendu ça. Un sage jardinier. L'empereur, moi, grand saint égal du ciel, voilà ce que j'en fais. Et toi, la reine, tu vas voir. Tu mets un peu d'animation à ta fête. Pour me faire savoir. Mes enfants, venez. Venez boire avec moi. Ah, il y avait trop de bonnes choses ici. Ce serait dommage de les laisser. Eh bien, je les emportais pour faire plaisir à mes chers petits. Sacré empereur, tout le monde s'écrase devant toi, mais avec moi, t'as pas fini d'en voir. Retournons au monde des fleurs et des fruits. Des délices. Mais comment ai-je fait pour arriver chez la haute-cheu? Hein? Voilà. C'est drôlement calme ici. J'ai eu lui rendre une petite visite. Oh! Oh! Et vous venez donc passer le vieux. C'est là que l'âge fabrique les pilules d'immortalité, hein? Ah. Réservé à l'empereur de Jade. Oh! Ah ouais? Ah.
les pilules réservées à l'empereur de Jade. Je vais voir quel goût elles ont. Tu te passeras de tes pilules d'immortalité. Rentre vite offrir ce goûter divin à nos chers petits. Des dieux vous est offert par l'empereur de Jade et la reine d'Occident. Allez-y, allez-y gaiement. C'est inouï. Des pêches enchantées. Et ceux qui en mangent deviennent immortels. Un grossier personnage. Il a volé les pêches et quand il a appris qu'il n'était pas invité au banquet, il a injurié l'empereur et madame. Effronté, l'insolent. Mais c'est une rébellion. Majesté, vous n'allez pas laisser ce singe impuni. Majesté, voici le vénérable Lao Tzu. Oh, Majesté, un grand malheur est arrivé. J'implore votre pardon. Je vous en prie. Majesté, les super pilules que je vous avais préparées m'ont été volées par ce singe. Il a tout mangé sans rien laisser. Ce démon s'est ensuite réfugié dans la montagne des fleurs et des fruits, Majesté. Ah ? Majesté, Majesté, au point où en sont les choses, il faut vite le capturer pour l'exécuter. Je sollicite l'ordre de faire avancer les troupes. Prenez avec vous 100 000 légionnaires célestes. Et ramenez-moi ce singe du diable. À vos ordres, Majesté.
d'audace pour un singe. Tu as volé les pêches et le vin céleste. Et tu as mangé les pilules de Lao Tse. Mais oui, c'est ça. Le singe a fait tout ça. Et après... Tu as commis tous les crimes. Maintenant, tu vas subir ton châtiment. Misérable. Qui es-tu pour proférer de telles paroles? Thank you.
Laissez-moi prêter main forte au prince. Faites-le donc. Par derrière, hein, en traître. Vous êtes une bande de lâches. Misérable singe, as-tu enfin compris? Tu vois comment finissent ceux qui me tiennent tête. L'empereur, félicitations pour venir à bout de moi tout seul. Tu as dû faire appel à la traîtrise, hein? Sale singe, même devant la mort, tu fais l'audacieux. Eh bien, qu'on l'exécute tout de suite! Eh bien, qu'on le foudroie! Oh! Mais... Comment faire? Majesté, livrez-le-moi. Je saurai comment m'y prendre. Vous verrez. Par ici. Mettez-le dans le four alchimique.
singe, m'entends-tu? Comment apprécies-tu mon four? Oh là, quelle chaleur! Quelle chaleur! Tu as trop chaud? Attends un peu, je vais arranger ça, tu vas voir. Allez, soufflez un peu sur ce feu! Ça va. Comme il fait frais, je me sens à l'aise. Eh bien, je vais te mettre tout à fait à l'aise. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Le singe diabolique est à présent réduit en cendres. Éteins le feu. Il s'est transformé en deux pilules d'arrêt.
Thank you.